Rechercher une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité, voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parcours sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La diffusion du jour avec vous, Francis Fahmy, bonjour. Bonjour, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Vous avez passé un excellent week-end. Pas mal. Pareil pour Francis Fahmy. Un très bon week-end du côté de Sacrité, n'est-ce pas? Bien entendu. Avec cette intronisation du nouveau roi. Alors dites-nous, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous avez vécu là-bas, vous? Bon, déjà, j'ai vécu une belle expérience. Je me suis retrouvé un peu en famille aussi, donc ça s'est plutôt bien passé. Un peu en famille, vous avez vu d'autres familles là-bas, c'est ça? Pas forcément des familles, mais des gens de chez moi. Sakété, c'est chez moi, donc je suis allé à Sakété. Je suis allé chez moi. Et vous étiez fier quand même de montrer que vous étiez le reporter qui devrait couvrir cette intronisation? Un peu quand même. Alors ce matin, vous nous parlez du fait d'être la bête noire, c'est bien ça? En effet, à toutes et à tous, bonjour. L'expression bête noire est une locution française qui fait référence à une personne ou une chose que l'on aborde ou que l'on redoute. Elle est parfois associée à un épouvantail ou à un cauchemar. À l'internaute, être la bête noire de quelqu'un veut dire être détesté par cette personne. Une bête noire est une chose particulière qui vous agace à chaque fois. Les bêtes noires sont généralement des problèmes mineurs. Personne n'irait donc qualifier le terrorisme de bête noire. Chez un internaute, le terme noir désigne quelque chose de peu apprécié car cette couleur est souvent mal vue par les êtres humains. De plus, le terme bête envoie à quelque chose de sauvage, d'où le sens de l'expression être la bête noire de quelqu'un qui signifie être mal apprécié par cette personne. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation. Restez avec moi, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces.